Estimada comunidad, con gran alegría les doy la bienvenida a otra edición de nuestra Agenda Cultural. También en cuarentena es muy importante seguir con nuestro propósito de ofrecer una formación integral donde lo artístico tiene que tener su espacio. Esta vez les invitamos a un parcours rapide de la chance francophone liderado por nuestro monsieur Denis Lambert, los estudiantes y exalumnos. Muchas gracias a Denis, los participantes, también a Andy Huser, Martin Kobel y el área de comunicaciones por la organización. ¡Que lo disfrutemos! Muy buenas noches a todos. Es una gran alegría anunciarles el primer evento de la Agenda Cultural. Me parece muy importante que esta oferta artística continúe a pesar de las circunstancias complejas. Quiero agradecer a Liliana, a Lucas de Comunicaciones y a los alumnos y exalumnos que participaron con sus interpretaciones musicales. Son Elena Sanín de la promoción 2008, María Inés Álvarez de la promoción 1979, Miguel Samper de la promoción 2018, Natalia Martínez, promoción 2008, Laura Bustamante de la promoción 2019, Michelle Künzli del curso actual octavo B y finalmente Emilio Cabra del curso 11B. A todos ustedes muchas gracias. Y de manera muy, muy especial un agradecimiento a Denis Lambert, el personaje principal de este evento. Es un gran privilegio descubrir a través de este breve recorrido la fascinante música francesa. Los invito entonces a seguir o de pronto también a cantar estas canciones. En el último recorder es ustedes recibieron también los textos de las canciones. Bueno, ahora disfrutemos de esta noche de cultura. Y nuevamente, muchas gracias. Bonsoir à tous. Nous allons donc vous présenter la chanson française, ce qui était à l'origine prévu pour le 18 mars, et c'était dans le cadre de la semaine de la francophonie. Mais compte tenu des circonstances, nous avons été obligés de vous proposer donc une rencontre virtuelle. Nous allons donc écouter un certain nombre de chansons françaises, dans un certain parcours entre les années 1930 et 2020. Alors pourquoi 1930? Eh bien parce qu'auparavant, il y avait très peu de disques, et si l'on voulait écouter des chansons, il fallait soit aller au concert ou dans un cabaret ou un spectacle, ou bien alors il fallait faire la musique chez soi, c'est-à-dire acheter la partition, se mettre au piano ou se mettre avec quelqu'un qui savait chanter afin de pouvoir profiter en groupe, en petit comité de la musique. Donc ce parcours dans les années 1930 jusque 2020 évidemment, est un petit peu frustrant puisque nous n'allons pas pouvoir en une heure et demie vous présenter quelque chose d'exhaustif. Par exemple, il n'y aura rien sur un certain nombre de chanteurs que peut-être vous vous attendiez à écouter, comme Gilbert Bécaud, Dalida, Claude François, Claude Nougaro, Mireille Mathieu, ou éventuellement Jacques Brel, qui en plus donc n'est pas français mais belge, mais c'est quand même de la chanson française. Voilà, donc nous avons fait un choix que je vais vous présenter maintenant. Nous allons commencer à écouter des chansons, certaines d'entre elles originales, chantées par les interprètes que vous connaissez, d'autres interprétées par des élèves ou des anciens élèves de l'Helvetia, puisque vous savez que depuis toujours, l'Helvetia s'est caractérisé par son dynamisme au niveau de la musique. Donc, certains élèves vont nous interpréter certaines chansons. Je le mentionnerai au fur et à mesure. Voilà. La première chose que je voulais vous dire avant même de commencer notre parcours, c'est que la plupart de ces chansons
ont été enregistrées, les premières d'entre elles, sur des disques 78 tours, c'est-à-dire, c'est une technique un petit peu particulière, puisque les disques 78 tours étaient en gomme laque, avec une aiguille d'acier, et on pouvait les faire passer les chansons sur un phonographe. Et c'est seulement à partir des années 50 ou 60 que l'on commence à avoir une grande diffusion du disque, puisque va apparaître le disque vinyle, celui que nous avons connu pendant très longtemps, pendant pratiquement toute la deuxième partie du XXe siècle. C'était des disques soit de 33 tours, soit de 45 tours, qui ont eu une très large diffusion, avec une bien meilleure qualité d'écoute, des disques un peu souples, et le vinyle, donc, c'est ce qu'on appelle les micro-sillons. Hein, et c'était un sillon donc, dans lequel passait un diamant ou un saphir, et qui permettait donc de faire vibrer une membrane. C'est ce qu'on appelle la musique analogique. À partir des années 80 et 90, ça va être une autre technique qui est employée, ce sont les fameux CD, les disques compacts. Et aujourd'hui, comme vous le savez, eh bien, on les utilise de moins en moins, puisqu'on utilise les fameuses clés USB qui permettent de repiquer de la musique sans aucune perte de qualité, puisqu'il s'agit d'une musique qui est enregistrée de façon électronique. Nous allons donc commencer avec le premier de ces chanteurs. Il s'agit de Tino Rossi. Alors, Tino Rossi est un chanteur qui a surtout été connu à partir des années 30. Il est corse, il a une voix de velours. Certains d'entre vous ont sans doute entendu sa fameuse chanson « Petit Papa Noël » qu'il a chantée pendant des décennies. Je rappelle que Tino Rossi, donc, il a commencé à chanter, comme je vous l'ai dit, dans les années 30, mais il est né en 1907 et il mourra en 1983. Mais il a été surtout connu à travers les films. Il a fait, à partir des années 30, un certain nombre de films dans lesquels il chantait. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le voilà en face au micro en train d'enregistrer un disque. Mais vous voyez sur la droite, donc, nous avons un film qui s'appelle Marinella. Et c'est cette chanson que nous allons écouter. Donc, elle a été publiée en 1936 sur un disque Parnasse qui était une filiale de la Columbia. Marinera, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Flottis contre mon épaule tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, oh, comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me troublait perdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Petit contre mon épaule, tandis que nos mains se coulent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur.
Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos pas se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Nous allons passer donc à un autre chanteur, très connu lui aussi, Maurice Chevalier, qui a représenté un petit peu, notamment aux États-Unis, puisqu'il a fait une partie de sa carrière à Hollywood, la chanson française, le gentleman français. Il s'est forcé d'ailleurs, quand il chantait en anglais, de prendre un accent très français, afin de manifester donc son identité. La chanson que nous allons écouter s'appelle « Fleurs de Paris ». C'est une chanson qui a été publiée en 1945. C'est une chanson qui a été écrite par Maurice Vauder. Et la musique est de Henri Boutrère. Alors, la caractéristique de cette chanson, interprétée ici par Maurice Chevalier, c'est que Maurice Chevalier a été un petit peu inquiété à la Libération en 1945 parce qu'on lui a reproché d'avoir continué sa carrière pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire d'une certaine façon de n'avoir pas manifesté par son refus de chanter une opposition à l'occupant. Alors la chanson s'appelle « Fleurs de Paris » et c'est une chanson, comme vous allez l'entendre, tout à fait patriote. C'est Paris qui a été une fleur, qui a été donc d'une certaine façon en sommeil pendant toute la guerre et qui se remet à fleurir à partir de 1945. Voici la chanson « Fleurs de Paris » par Maurice Chevalier. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri, fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Par la papa, par papa, par la papa,
papa. Toujours dans la même veine, ce même style de chanteur et ce même style de chanson, nous allons aborder maintenant une chanson très célèbre, La vie en rose, que chantait, qui a rendu célèbre Édith Piaf. Et je rappelle que Édith Piaf donc, est une personne qui a eu une vie extrêmement mouvementée. Elle était alcoolique, droguée, et sa dernière chanson, Je ne regrette rien, a été un triomphe à la fin des années 50 et au début des années 60. La chanson que nous allons écouter, donc, Vie en rose, et c'est Maria Inés Álvarez, qui est de la promotion 1979, qui va nous l'interpréter maintenant. ~1946 est une date importante, c'est juste après la guerre, et nous allons entendre une chanson de Charles Trenet, une de ses chansons les plus célèbres, La mer, une chanson qui a fait le tour du monde, qui a été traduite et interprétée par de très nombreux chanteurs, pas tous francophones d'ailleurs. Alors, Charles Trenet est un personnage assez intéressant. Il était poète et il était compositeur, interprète. C'est lui-même qui écrivait ses chansons, qui se faisait aider quelquefois pour la musique avec Léo Chauliac, qui a été un de ses musiciens. Charles Trenet s'est présenté plusieurs fois à l'Académie française et il n'a jamais été élu, et ça a été quelque chose d'assez mortifiant
pour lui. Ce que l'on peut dire de lui pour insister un petit peu, n'est-ce pas, c'est que cette chanson de 1946, La mer, il l'aurait écrite à toute vitesse un jour qu'il était en train sur les bords de la Méditerranée. Et c'est Elena Samin, qui est de la promotion 2008, qui va nous l'interpréter maintenant. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. C'est au tour de Juliette Gréco. Juliette Gréco, comme vous le savez, ça a été une des stars, une des personnalités très importantes des Nuits de Saint-Germain-des-Prés après la Deuxième Guerre mondiale, amie de Simone de Beauvoir. Elle a été elle-même donc l'épouse de Michel Piccoli, qui est un acteur très connu, et ensuite de Gérard Genestre, qui a été, comme vous le savez, donc l'un des grands musiciens qui a travaillé notamment avec Jacques Brel.
Alors, Juliette Gréco est née en 1927, elle vit toujours, c'est une vieille dame, très, très célèbre toujours. Et la chanson que nous allons écouter, c'est une chanson qui, à l'origine, avait été prévue pour être insérée dans un film. C'est Sous le ciel de Paris. Vous voyez, donc, c'est très français, ça fait même très Saint-Germain-des-Prés. C'est une chanson qui a été aussi interprétée par Yves Montand et par bien d'autres. Nous allons l'écouter maintenant, donc, interprétée par Juliette Gréco. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir d'inclure dans ce parcours assez rapide, comme vous vous en rendez compte, un personnage tout à fait extraordinaire et un petit peu hors norme. Il s'agit de Boris Vian. Boris Vian, il est connu comme écrivain, comme trompettiste de jazz. Il a fait lui aussi le bonheur des nuits parisiennes à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50. Il est décédé assez jeune, Boris Vian. Donc, il est né en 1920, ça fait donc juste un siècle, et il est décédé en 1959. C'était un personnage très doué et très complexe. Il était ingénieur d'une très grande école parisienne, l'école centrale. C'est un écrivain aussi, c'est lui qui a écrit ce fameux roman « L'écume des jours » que pendant très longtemps on a étudié à l'Helvétien. Il a aussi écrit d'autres
d'autres œuvres très célèbres comme L'herbe rouge ou comme J'irai cracher sur vos tombes. C'est quelqu'un qui avait fait un peu scandale. Donc, nous allons écouter une chanson amusante. Il est à la fois le parolier et le musicien de ses propres chansons. Il a écrit beaucoup de chansons. Celle-ci est un petit peu loufoque, c'est un petit peu l'humour un peu surréaliste de Boris Vian. La chanson que nous allons écouter s'appelle « Je suis snob ». C'est une chanson de 1956. Je suis snob. Je suis snob, je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Alors, après Boris Vian, donc, nous allons aborder un des grands monuments de la chanson française du XXe siècle, Georges Brassens. Georges Brassens, qui est né en 1921, qui est décédé en 1981, c'est un chanteur, poète, interprète. Il a écrit lui-même donc, tous ses textes et la plupart de ses musiques. Il était surtout connu donc, dans les cabarets de la rive gauche, et de la rive droite, mais surtout ceux de la rive gauche. Et c'est avec cette chanson que nous allons écouter, Le Gorille, qu'il est devenu célèbre. Cette chanson a fait scandale, évidemment, mais en même temps, elle nous montre un Georges Brassens bon enfant qui rit de sa propre, on pourrait dire, de son caractère un petit peu ingénu et en même temps un petit peu salace, quelquefois, dans certaines de ses chansons. Je rappelle « Quand je pense à Fernande », etc. Cette chanson « Le Gorille » donc date de 1952 et va être à l'origine pratiquement de la gloire de Brassens, qui sera même sacré prince des poètes, puisque vous savez qu'en France, il y a toujours un prince des poètes, c'est-à-dire un poète qui, par ses pairs, est reconnu comme étant le plus représentatif donc, de la poésie française de son époque. Nous allons donc écouter Le Gorille.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille. Alors maintenant nous allons changer complètement de registre. Même, vous voyez, il y a à peu près une chanson tous les 10 ans. Je vais sélectionner à peu près une chanson pour chaque décennie. Celle qui vient maintenant est une chanson de Johnny Hallyday qui s'appelle « Retiens la nuit », qui est une chanson de 1961. Mais avant d'écouter, je voudrais vous expliquer un petit peu donc, ce qui se passe dans les années 60 en France. Eh bien, dans les années 60, nous avons un phénomène tout nouveau qui se présente et qui est le phénomène des yéyés. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui la génération de l'après-guerre, qui commencent donc à sortir. Il commence à y avoir des disques de plus en plus faciles à acheter, de bon marché, et qui permet aussi à toute l'industrie de la chanson et de l'industrie du son donc, de diffuser très largement les chansons de ces vedettes jeunes, généralement qui sont des espèces de symboles aussi de la jeunesse, même quelquefois des symboles sexuels, et qui sont tous relayés par une émission de radio qui s'appelle « Salut les copains », qui va devenir par la suite une revue que tout le monde achète, que les jeunes achètent, et ils vont pouvoir s'identifier un petit peu à ces yéyés, comme notamment Johnny Hallyday. Alors, dans la vidéo que vous allez voir, qui reprend cette chanson « Retiens la nuit », vous allez reconnaître, aux côtés de Johnny Hallyday, Catherine Deneuve,
qui était donc à ses débuts au cinéma et qui va interpréter ce petit sketch chanté, Retiens la nuit, une des chansons emblématiques, pourrait-on dire, aussi bien des yéyés que des années 60. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. L'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie. Qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, oh je t'en supplie à l'infini. Retiens la Une autre de ces chanteuses qui va participer de ce mouvement yéyé, tout en étant assez différente des autres, c'est Françoise Hardy. Françoise Hardy a la caractéristique d'écrire elle-même ses chansons et sa musique. Et dans la chanson que nous allons entendre, « Tous les garçons et les filles de mon âge », c'est une chanson très célèbre, elle a été écrite, enregistrée et publiée en 1962, c'était une chanson qui n'était pas prévue pour être aussi célèbre. Elle a été publiée avec d'autres chansons sur un disque 45 tours avec, vous avez « Oh, oh, chérie, je suis d'accord »,« Il est parti un jour » et « Tous les garçons et les filles de mon âge ». Et il se trouve que c'est cette chanson qui a fait la une et qui est devenue la plus célèbre de Françoise Hardy pendant très longtemps. Je voudrais aussi préciser quelque chose à propos de Françoise Hardy, c'est que elle est elle aussi donc reliée par la fameuse revue Salut les copains, c'est dont je vous ai parlé à propos de Johnny Hallyday, qui est une revue qui commence dans les années 62 et qui va se terminer, voyez, en 2006. Donc, c'est une revue qui nous donne l'actualité sur les vedettes de la chanson, sur les stars, sur les chanteuses, sur les chanteurs auxquels les jeunes aiment s'identifier. Vous allez écouter cette chanson interprétée par une ancienne élève de l'Helvetia, Laura Bustamante, qui est sortie, c'est la promotion 2019,
Et c'est elle qui va nous interpréter cette chanson. Avant de l'écouter, vous allez vous rendre compte que cette chanson n'est pas simplement une chanson, on pourrait dire, nostalgique, puisque dans cette chanson, Françoise Hardy dit « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent deux par deux, sans peur du lendemain, ils sont amoureux. » Et ce « sans peur du lendemain », nous pouvons aussi peut-être l'interpréter comme une toute petite revendication pour l'usage de la contraception, puisque vous savez que c'est à peu près à cette époque-là que s'est développé l'usage de la pilule anticonceptive, mais aussi donc toutes les ligues de vertu qui ont voulu s'opposer avec l'Église à l'usage donc des contraceptifs. Nous écoutons donc « Tous les garçons et les filles de mon âge » de Françoise Hardy, interprété par Laura Bustamante. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, qui s'en vont d'amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues dans mon pays. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Des jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sont joyeux et plein d'ennui. Personne ne murmure, je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aiment petit. Où les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues dans mon père. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Les jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans foi et plein d'ennui. Quand donc pour moi brillera le soleil. Tous les garçons et les filles de mon âge connaîtraient, je viens, ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Voici maintenant un des monuments de la chanson française, aussi bien par sa voix, par ses chansons, que par sa longévité. Il s'agit de Charles Aznavour. Charles Aznavour, qui est d'origine arménienne, son véritable nom c'est Aznavourian, eh bien, n'est-ce pas, il est né en 1924 à Paris, dans une famille arménienne. Je rappelle que beaucoup d'Arméniens sont arrivés dans les années 18-20 du XXe siècle, chassé par le fameux génocide arménien. Génocide dont la Turquie n'a toujours pas reconnu donc l'existence. Charles Aznavour donc a été non seulement un chanteur qui a marqué son époque, mais c'est aussi un parolier. Il a écrit aussi beaucoup de chansons pour d'autres.
Voilà, alors maintenant, nous allons aborder un genre totalement différent avec Léo Ferré. Léo Ferré est quelqu'un qui s'est toujours revendiqué de l'anarchisme, un anarchiste qui, malgré tout, donc, a, au cours de sa vie, interprété de très nombreuses chansons. Certaines sont écrites par lui, c'est le cas de celle que nous allons écouter, qui s'appelle « C'est extra », mais il a aussi interprété et mis en musique des poèmes, notamment « La chanson du mal-aimé » d'Apollinaire, etc. Léo Ferré, donc, est décédé donc, en Toscane en 1993, c'est là qu'il s'était retiré à la fin de sa vie. Cette chanson, « C'est extra », a été écrite très rapidement aussi. Il a raconté qu'il était en voiture avec un ami quand il a rédigé cette chanson, alors qu'il écoutait de la musique, n'est-ce pas, en 1968. Vous voyez, c'est la période qui va commencer à bouger un petit peu en France, notamment avec les événements du mois de mai 68. Et c'est une chanson qui date précisément de cette époque et qui manifeste une espèce de rébellion, pour ne pas dire révolution, une révolte donc de la jeunesse à l'égard de l'ordre établi, c'est-à-dire le général de Gaulle qui était au pouvoir à cette époque-là. Donc nous avons ici une chanson qui a un petit côté voulu pour choquer le bourgeois. Cet extra donc de Léo Ferré va être interprété par Miguel Samper, qui est un ancien élève aussi donc de la promotion 2018. Nous écoutons donc cet extra. On y va. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait des chiens sans le faire exprès. Et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les médibus qui chantent la nuit comme un satin de blanc marée, et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Qui tombent comme le soir et de la musique on bat des riens, ce jasse qui jasse dans le soir, ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent dans l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au te percher comme les cordes d'un violon, et cette chair qui vient troubler l'arche qui coule ma chanson. Cet extra est sur le voile à peine close, cette tuve noire Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'auraient des chiens sans faire exprès, et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait.
c'est extra. Les mélodies blues qui sont pas longues, c'est lui qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Un autre personnage très important de la chanson française de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, donc, il est né en 1928, il est décédé en 1991. Il a écrit beaucoup de chansons, pas seulement pour lui. Il a chanté et fait chanter bien des personnes, bien des vedettes. Notamment, par exemple, il a chanté avec Brigitte Bardot. Il a chanté aussi avec celle qui a été pendant très longtemps son épouse, Jane Birkin. Et c'est cette chanson « Je t'aime, moi non plus » qui date de 1969. Donc, vous voyez, c'est juste après les fameux événements de mai 68. Et cette chanson a été très célèbre parce qu'elle est scandaleuse. Vous allez écouter les paroles, vous verrez qu'il y a aussi des soupirs qui sont tout à fait suggestifs. Cette chanson, donc, a une caractéristique qui a peut-être fait sa réputation et son succès, c'est qu'elle a été interdite par le Vatican, elle a été mise à l'index, c'est-à-dire que l'Église a dit qu'il ne fallait pas écouter cette chanson qui était beaucoup trop, on pourrait dire, sexuelle. Alors voilà, nous allons écouter Serge Gainsbourg interpréter « Je t'aime, moi non plus » avec celle qui était son épouse alors, Jane Birkin, qui tous les deux donc sont les parents de l'actrice Charlotte Gainsbourg que l'on voit très souvent sur les écrans. « Je t'aime, moi non plus » de Serge Gainsbourg. Tiens.
toujours dans le cadre des chansons à texte, pourrait-on dire, que ce soit Léo Ferré, que ce soit Gainsbourg, que ce soit Brassens, voici une des grandes dames de la chanson française, Barbara. Barbara est née en 1930, elle est originaire de la région de Strasbourg et pendant la guerre, compte tenu du fait qu'elle était d'une famille juive, elle s'est retirée dans les Alpes avec sa famille. Mais c'est véritablement après la guerre qu'elle commence véritablement à chanter et à obtenir un succès avec des chansons dont les textes sont très poétiques. L'une de ses chansons les plus célèbres, qui date de 1970, eh bien c'est celle que nous allons écouter maintenant, qui s'appelle « L'aigle noir ». Cette chanson va nous être interprétée par une ancienne élève de l'Helvetia, Natalia Martinez, qui est sortie du collège en 2008. Voici donc « L'aigle noir » de Barbara, interprétée par Natalia Martinez. Un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, sans l'encre, vers le ciel, et venant de nulle part, surgit un nez. Lentement les ailes déployées, lentement je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement tel comme tombait du ciel. L'oiseau vint se poser. Et venant de nulle part,
surgit un aigle noir. Alors nous arrivons maintenant dans quelque chose qui est beaucoup plus actuel, puisque la plupart des chanteurs que nous allons découvrir maintenant chantent encore, ou en tout cas donc, sont encore très présents dans les hit-parades et sur la plupart des radios, et leurs disques continuent à se vendre et à se diffuser. Il s'agit de Renaud. Alors Renaud, lui aussi, n'est-ce pas, en fait il s'appelle Renaud Séchamp, son véritable nom, et il va utiliser, on pourrait dire, une espèce de look très particulier, comme vous pouvez le voir sur cette image. C'est le look un petit peu du banlieusard, n'est-ce pas ? Il va utiliser d'ailleurs un accent très particulier qui est l'accent de la banlieue. C'est un accent tout à fait reconstitué parce que lui-même n'est pas originaire de la banlieue parisienne. Et nous allons entendre une chanson qui s'appelle « Laisse béton ». Évidemment, c'est ce qu'on appelle du verlan, n'est-ce pas ? Ça veut dire « laisse tomber ». Et qui est une histoire, puisqu'il y a une histoire d'un jeune homme qui finalement se fait attaquer par une bande de voyous qui lui demande son blouson, ses bottes, son jean, et qui se retrouve bien démuni. Alors cette chanson, elle est doublement importante. D'abord parce que c'est une des premières de Renaud, et d'autre part parce que c'est celle qui va le faire connaître et qui va lui permettre de découvrir son propre style. En 1977, cette chanson donc est très choquante. Elle raconte une histoire avec quelqu'un, comme vous pouvez voir, avec un petit bandana autour du cou, un blouson de cuir, des tatouages un peu partout. Malheureusement, ce pauvre Renaud, qui vit toujours, donc, a sombré dans les dernières années, ou plutôt dans les premières années du 21e siècle, dans le silence. Il a essayé de remonter sur scène et de reprendre et de republier des chansons. Malheureusement, il a sombré dans la dépression et son dernier tour de chant a été, malgré ses efforts, un échec. Mais il faut reconnaître quand même que Renaud est considéré par la plupart de ses congénères, c'est-à-dire des autres chanteurs qui lui sont contemporains, comme un grand de la chanson française, qui a été très influencé par Bob Dylan et qui utilise, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette chanson, donc le banjo, l'accordéon et une espèce de folk qui ressemble beaucoup au folk américain. Voici donc « Laisse béton » par Renaud. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle, d'un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te chouraverai ton blouson, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a
m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être un gay en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Nous abordons maintenant, vous voyez que nous allons à grands pas, nous abordons les années 80. Et à la fin des années 80, en 1987-88, apparaît une chanteuse tout à fait extraordinaire qui s'appelle Patricia Cass et qui va découvrir un style grâce à sa voix. Elle a une voix extraordinaire, un peu éraillée mais très expressive. Patricia Cass, donc, est une chanteuse qui est bilingue parce qu'elle est originaire de l'Alsace et que sa famille donc est une famille de frontaliers, donc entre la France et l'Allemagne. Et donc elle a aussi beaucoup chanté en allemand avant de percer véritablement dans la chanson française avec un album dans lequel il y avait Mademoiselle chante le blues et Mon mec à moi en 1988. C'est l'une de ses chansons qui vont la révéler au grand public. Vous voyez, elle est jeune, elle est née en 1966, elle a donc 54 ans. Son style a pas mal évolué depuis, mais nous allons écouter cette chanson, Mon mec à moi, interprétée par... ce n'est pas elle qui a écrit les paroles, c'est Didier Barbelivien, qui est un grand parolier de la chanson française, et c'est François Bernheim qui a écrit la musique de cette chanson. Qui ont été écrits, aussi bien les paroles que la musique, expressément pour elle. C'est-à-dire que ce n'est pas une chanson qu'elle a décidé d'interpréter, mais c'est une chanson qui correspond exactement à sa personnalité et au style qu'elle a créé. Voici donc « Mon mec à moi » qui va nous être chanté par une élève de l'Helvetia, qui n'est pas une ancienne élève, mais qui est une élève de 8e B, et qui s'appelle Michel Künzli. Michel Künzli va donc nous interpréter « Mon mec à moi ». Joue avec mon cœur, triche avec ma vie, guide et monte, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, comme des bons moments, ça fait bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans tes yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, non mais que moi. Comme vous vous en rendez compte, j'ai peut-être un petit peu insisté sur les chansons à texte et pas trop sur les rengaines, on pourrait dire, très spectaculaires ou un petit peu donc populaires, parce que j'estime que la chanson française a aussi comme caractéristique de transmettre souvent un message à travers le texte des chansons. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart de ceux que nous avons entendus jusque maintenant sont pas seulement les interprètes, mais très souvent aussi les auteurs de leurs propres chansons, que ce soit pour le texte ou pour la musique ou pour les deux. Nous allons aborder maintenant un chanteur très particulier qui a une longévité assez impressionnante. Il s'agit de Alain Souchon. Alain Souchon est il est né en 1944.
Il a commencé d'abord par écrire des chansons pour d'autres. Et puis, on pourrait dire que depuis les années 80-90, eh bien, il s'est lancé dans l'interprétation de ses propres textes. Voilà, après Alain Souchon, nous allons encore entendre une chanson à texte qui est interprétée par, et qui est écrite et interprétée par Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, il est né en 1973, donc vous voyez, c'est un jeune homme. Et il va nous interpréter donc une de ses chansons très, très emblématiques, « Si tu suis mon regard », qui date de 2009. Alors, vous allez remarquer donc une très grande différence avec ce que nous avons entendu et vu jusque maintenant, puisque nous avons ici, nous sommes en pleine modernité, en pleine, disons, c'est tout à fait contemporain. Et vous allez voir que aussi bien le style du clip que la voix et les paroles de cette chanson nous transportent tout à fait donc dans l'actualité de la chanson. Il a bien fallu que je choisisse parce que sinon nous aurions eu quelque chose de beaucoup trop long. Donc c'est simplement, on pourrait dire, un apéritif que je vous propose aujourd'hui. Nous allons donc écouter « Si tu suis mon regard » de Benjamin Biolay, qui est une chanson qui date de 2009. Alors vous allez voir à quel point ça nous change de tout ce que nous avons entendu ou de tout peut-être ce que nous connaissons. En tout cas, pour ma part, je connaissais très peu Benjamin Biolay et je l'ai découvert donc à l'occasion de la préparation de cette présentation. Voici « Si tu suis mon regard » Benjamin Biolay. Chez moi, chez moi, chez moi.
La chanson que nous allons écouter maintenant est une chanson de Clara Luciani qui date de 2019, vous voyez c'est tout tout récent, et qui s'appelle La Grenade. Alors Clara Luciani, elle est née en 1992, donc elle est toute jeune, vous voyez, et la chanson que nous allons écouter qui s'appelle La Grenade, le texte est très explicite, il y a une raison pour laquelle elle a composé cette chanson. C'est le fameux mouvement MeToo, à partir du moment où, ont été révélées un certain nombre d'affaires de mœurs et de viols de femmes par un certain nombre de personnes puissantes qui ont utilisé, pourrait-on dire, leur état de nation ou de pouvoir pour, on pourrait dire, abuser les femmes. Donc, La Grenade, c'est une chanson donc, à texte et à thème, qui vise donc à dénoncer une fois de plus ce que le mouvement MeToo a déjà dénoncé, mais qu'elle considère que c'est un combat qui ne s'arrête pas. Voici donc La Grenade de Clara Luciani, une chanson de 2010. Vous partagez, j'espère que vous aurez plaisir à écouter ce parcours à grands pas, malheureusement, mais nous sommes pris par le temps. Ça pourrait être l'occasion peut-être d'autres approfondissements que vous pourrez faire. Je remercie infiniment les élèves et anciens élèves qui ont participé à cet enregistrement et qui nous font part de leur talent. Je voudrais aussi remercier donc l'agenda culturel du collège pour avoir permis, malgré les circonstances de ce confinement et l'impossibilité de se réunir physiquement, donc cette présentation. Merci donc au département de communication du collège, merci à Liliana Faya, merci à Lucas qui est notre maître de la technique. Et je voudrais que nous terminions par une des chansons peut-être les plus emblématiques de la chanson française du XXe siècle, que nous avons déjà écoutée et que nous allons écouter à nouveau. C'est Elena Sanin qui l'avait chantée tout à l'heure. Et maintenant, nous l'avons écoutée avec une voix masculine, c'est-à-dire que c'est Emilio Cabra, élève de 11e B au collège. Ce sera donc la promotion 2021. Qui va nous interpréter à nouveau pour conclure, et je vous quitte sur cette très belle musique de Charles Trenet, La Mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer.